une année, presque deux ans, j'ai commencé à vouloir rénover l'huître. Parce qu'on visite nos parcs, on mange l'huître et après on jette un coquillage qui est juste fabuleux. J'ai trouvé ce coquillage, cette coquille d'huître simplement merveilleuse et je me dis mais comment je pourrais... Voilà, et les idées sont sorties au fur et à mesure. Et je me suis aperçue moi-même que j'avais un sens créatif bien intérieur dans moi que j'exploitais pas. Ça, c'est ma dernière trouvaille, je dirais. C'est la perle de l'huître. Voilà, la perle de l'huître, en définitive, on dirait, une fois mélangée dans une pâte, on découvre presque le sable, du sable et toutes les couleurs de l'huître. C'est de la résine mélangée avec de la poudre d'huître et un autre produit que je ne dévoilerai pas de suite. Je récupère mes coquilles d'huîtres au port juste à côté de chez moi. Je les ramasse, je les nettoie. Il y a 4 bains de nettoyage. Ensuite, je la meule, je la polis, je lui fais 2 vernis. Donc, ce sont des petites étapes très importantes de façon à ce que la coquille ne s'effrite pas.